Bienvenue les amis pour l'épisode numéro 22 sur Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider. Et on allait continuer donc l'histoire principale, c'est parti. Je crois que c'est bon, allons-y. Installez-vous confortablement, j'espère que vous appréciez ce petit let's play. Écoutez, c'est pas le jeu de l'année, on va pas se le cacher, mais franchement, ça se laisse jouer tranquillou. Ça va. Disons que j'espère que... On aura tout. Mais what? Mais c'est elle, c'est bon, pas de suspense. Prends cette clé. Voilà, disons que j'attends plus d'Assassin's Creed, hein, parce que je vous le Viens, cache pas, ce sera le je veux te prochain montrer let's quelque play. chose. Je vais essayer de vous mixer vraiment là L'éclipse des bons se jeux. rapproche. Lorsqu'elle sera là, la boîte voudra s'ouvrir. La tentation de la boîte est très puissante. Elle cherchera à m'attirer, à me tenter de ses illusions. Oh Une yeah. solution simple à nos problèmes. Mais elle ne me montrera que mes désirs, mes secrets les plus forts. Je me prépare depuis toujours à la combattre. Elles ont des ganaches, n'empêche. Amaru n'a pas encore vu la boîte, mais déjà son pouvoir corrompt son esprit. Amaru! Paititi est un peuple qui ne survit que Paititi, par notre peuple, volonté, volonté tous ensemble. ensemble. Donc, si Amaru recrée Paititi à son image, Il y a c'est comme personne s'il dans ces détruisait temples. tout. Il y a Oui. personne. Le monde extérieur est une menace. Mais le risque fait partie de la vie. Nous devons rester forts et fidèles à nos valeurs. Vous êtes sûr de pouvoir résister à ce Au pouvoir quand vous l'aurez? Paititi, au Falani, et à Lua, tatoué, Et arrêtez, si toutefois j'échoue, paikolaïe, le feu ketatu, cramoisi me guidera parene, en me ha rappelant ma ha. Et promesse. ouais, les gars, ça c'est du chant. Allons-y. Ketatu, Lua, Ikeai, Cette boîte nous maimoye, fournit l'espoir, c'est ma destinée. maimoye, tamari C'est en rapport avec le paititi, sacrifice de paititi. Kubota. Quand le feu cramoisi fume, cherche ton miroir. C'est une force de responsabilité. C'est tout ce que je sais. Ces créatures, est-ce qu'elles viennent parfois par ici? Des créatures? Elles attaquent. Dans les grottes autour de Paititi, elles s'en sont prises aux trinitaires. Et près de l'hôtel où se trouvait la boîte, elles se sont jetées sur moi. Tu veux dire les Yashil? Des Yashil? Ils étaient grands, rapides, affamés. On aurait dit désespérés. Je ne parlerai pas de créatures. C'est bien plus que ça. Bah, j'en ai tué un paquet, hein. Donc dans l'autre, il y avait les immortels. La clé que je t'ai donnée devrait fonctionner. Bah, pourquoi tu me l'as donnée? La meuf. On peut pas la mettre, quoi. Elle laisse Lara faire tout, hein. T'es mais game pas ouvrir des portes ou quoi? Ok, super. Lara Croft. Les légendes sont nombreuses. C'était il y a longtemps. Mais Paititi leur doit en partie sa sécurité. Ils la protègent? Je ne sais pas si c'est leur intention. Mais leurs actions ont cet effet. Ils n'attaquent jamais la ville? Non. Nous vivons tous en bonne intelligence. Je crois qu'Amaru prépare un sacrifice public. Avec un rebelle? Nous devons l'arrêter. Non. Pas sans préparation. Et pas au risque de perdre la boîte. Le guerrier qui consent à ce sacrifice préfère faire. On est où là? On est dans le marché, ok, d'accord. Suis-moi et fais ce que je fais. Les gens pourraient devenir agressifs. Par ici. Dégueulasse. Dire ça existait vraiment. Ils menacent notre sécurité et notre avenir. Leur chef, la traîtresse Unuratu, votre reine déchue, est ma prisonnière. Mais il n'est pas trop tard pour la sauver. Aujourd'hui, nous offrons un sacrifice à Kukulkan. Bien. Pour qu'il regarde ce nous protège. L'éclipse qui approche. Avec ce sacrifice, la vie.
fille de ce rebelle sera sauvée. Que ses camarades voient la lumière et nous rejoignent. Qu'est-ce que c'est chiant les phases où on doit suivre comme des moutons là, je déteste ça. Amaru dit qu'il veut mettre un terme à la violence. C'est un moyen pour parvenir à ses fins. Putain, le tas de cadavres quoi. Dégueulasse. Et tous ces gens croient en lui. Ils ont peur. Et ils ont raison. Ce n'est plus très loin. La tombe est derrière cette porte. Ah oui, c'est vrai qu'on va à la tombe, j'avais zappé. Évidemment, à des gardes. Viens. Il est en pleine folie, les gars! Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Colette à la main. Alors. La tombe est là-haut, sur cette statue. Je vais surveiller la porte. Ce sera pas long. Ce sera pas long, t'avances pas trop. Hein. Jonah, on approche de la tombe de l'empereur. On est près du fleuve. Paré à vous récupérer, Onura, toi et toi. Dis-moi quand vous serez prête. Oh, va y avoir des fights ici, les gars. Va y avoir des sacrés fights. Il y a des grenades, il y a des plans pour se cacher. Je sais ce que je dis. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Et ça, c'était pas un truc. Ok, d'accord, j'aurais dû jurer. Bon, bah, j'espère que je suis bien équipé. Allez, on va passer par où elle veut que je passe. Ce sera plus simple. C'est parti. Je vais tellement vous faire griller. Mais what the hell, putain. Ah oui, d'accord, il faut pas sauter, oh, putain. Ça c'est quand même mal foutu. Et là si je saute, elle tomberait quoi. C'est stylé sur la petite main. J'aime bien qu'on escalade des statues, moi les gars. Regardez-moi ça. Piolet grappin. Let's go pour le piolet grappin. Monte, hein. Non, sur la droite. Okay. Quand ça ne veut pas monter, faut pas insister, les gars. Je peux entrer par là. Yeah. Avec mon petit ascenseur, c'est stylé, hein. Le dernier empereur. Lara, t'es où? Dans la tombe de l'empereur. J'ai presque terminé. On sera prêt. Quelqu'un entretient le feu. Il est encore très aimé. Des couches de symbolisme dans ses panneaux en stuc. Par contre, la musique touk touk touk, c'est un peu chiant. Hein. Au bout d'un moment, ça casse la tête. Hein. C'est pas l'idée du siècle. Cet hôtel est très raffiné.
Ça devait être un monarque important. Elle est débile ou quoi? On t'a dit que c'est le dernier, bien sûr. Putain, mais Lara, elle comprend pas rien, hein, franchement. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ouais, c'est ouais. Frappant, on ne peut pas nier l'influence Inca. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Mmh. Une bien belle tombe. La tombe du dernier empereur. Le culte a dû se développer après sa mort. Même les sous-titres sont pas terribles. On met la phrase d'avant 10 ans avant. C'est con. Voilà, ça, là ça devrait apparaître, qu'est-ce qu'il manque. Eux ils mettent tout le texte, tu sais, limite, affichez-moi tout d'entrée. Mais c'est Lopez qui a laissé ça. Le cœur du serpent est dans la coupe. Le cœur du serpent est dans la... J'aurais assez fait de griller, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit? Un pote. Oh! Shit. Ici le commandant Rourke. On a une piste pour la boîte. Vous trouvez Croft. Oh fuck. Donne ça à Edsley. C'est l'héritier légitime. Il doit régner sur Paititi. Il est jeune. Qu'est-ce que c'est mal fait les visages quand même? Regardez, il n'y a pas d'expression. C'est son horrible. Son esprit aussi noble que son sang. Oh, ça c'est vraiment le défaut du jeu quoi. La boîte. Elle va t'attirer. Résiste. Nous créons tous notre destin. Quelle émotion! Ah, enfin un peu d'action, c'est bien ça! Hop. Mais quoi, ils m'ont vu? Non mais jure. Bon allez, tuez-moi, je vais recommencer. J'ai envie de faire un peu d'infiltration. Genre ils m'ont vu. Mais what the hell? Ça par contre, je sais pas si c'est super bien fait dans le jeu quand même, hein.
Qui m'a vu? 1, 2, 3 là-haut, ok. Quatre. Soit dit, il est en jaune, on le voit pas. Là, il est rouge, donc il faut pas. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a lui? Très bien. Merde. Oh, il passe dans l'herbe quand même au fait. Bon. Je me suis pas battu hein, j'essaie de leur faire des headshots là les gars. Pour m'entraîner. C'est complètement con. Bon, je suis recaché là. Ça va, je suis recaché. Sauf que lui, il y a quelqu'un qui le voit là. Parce qu'il est rouge. C'était pas mal ce petit piège, ça marche bien. Voilà, d'accord. C'est chaud de rester vraiment invisible, invisible. Bon, ils vont me voir, mais... Et là, c'était rouge et ils m'ont pas vu. Bizarre, hein. C'est étonnant. De toute façon, il va crever lui sans problème. Hop. Il y en a encore un, putain. Ils vont tous venir ici. C'est bien, hein, c'est rapide. Allez, viens là, petit petit. Éternellement non, mais un petit peu, ça me va. Alors, trouver Jonah.
passe par là. Laisse tomber la tombe, ok, très bien. Jonah, où es-tu ? Je suis sur le quai. Je te vois. Hey, on est prêt à partir. J'arrive. Où est Uluwatu ? Les Trinitaires. Elle est morte en les combattant. Oh non. Oui. Où est ma mère ? Ta mère, elle... Elle s'est battue. Mais c'est l'amulette du monarque. Maintenant, elle est à toi. Ne pleure pas une merde, il est pas triste. Fils ingrat. C'était une guerrière. L'éclipse se rapproche. Si nous ne resterons pas le soleil, je trouverai la boîte. Je ne laisserai pas faire le culte de Kukulkan. Commencez les préparatifs pour la chambre funéraire. La reine Uluwatu vivra dans notre cœur. Ushu, aide-les pour le bateau. Mais gars, il n'y a pas de cœur, le petit. La rébellion doit gagner. On viendra avec la boîte. Bonne chance. Nous serons prêts quand vous reviendrez. Son œil vitreux, dégueulasse. On fait quoi maintenant ? On rentre à Kuakiaku. On fait le point, puis on verra. Ah ouais, carrément. Ça disait quoi ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Bon. C'est toujours mieux que rien. Je suppose. Il faut trouver la boîte pour régler ça. Tout le monde va mourir dans cet épisode, les amis. Épisode 22. La mort de tous. Qu'est-ce que je vois là ? Ne bouge pas. Ne cherchez pas. Le gars a une arme ? Ah !
Bien joué. Va falloir appuyer carré. Ah non. Allez par là. Bon. Toujours pas entièrement convaincu que la boîte existe. Rien à signaler. La meuf est arrivée là, quoi. Elle a pas de chance quand même. Ah, c'est ça. Ok, bon, ils sont un peu intelligents. J'étais en train de dire, c'est vraiment ce qui manque, quoi. Par contre, comment est-ce que je comment est-ce que j'attaque dans le combat? Putain, ils sont sérieux. Pour descendre, on est obligé de faire ça. Même pas. Bah non, non, ils mettent pas. Faire la double élimination là. Merde. Y'a rien dans cette zone. Ah, il bouge quand même un peu lui, ok. On m'avait dit que je partirais chercher une boîte magique. Alors, tu trouves ? Quand j'aurai un truc à signaler, je le signalerai. Ok, la dernière fois... Je crois qu'on a regardé ici. Ici et peut-être ici. Tu t'en rappelles comme moi? J'en sais rien, quelle importance. Si on l'arrêtait à un truc, il faut qu'on regarde encore partout. Ouais, pas bête. Ok. Tu crois que la rivière est plus haute ou plus basse qu'avant? Allez, arrête de me poser ce genre de questions. À la seconde où ils ont annulé l'opération Loup Solitaire, j'ai fait le vide complet dans mon esprit. Ça, c'est compliqué là. Je dois chercher un truc qui brille ou bien qui bourdonne. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Donne quoi ? Arrête de demander. Ah, le bruit, ça l'attire un peu quand même. Ce serait plus facile s'il pleuvait pas. J'aurai un truc à signaler, je le signalerai. Mais what, j'ai plus mes arcs et tout. Pourquoi on les suppresse ? Ça pouvait pas attendre demain matin ? Bon, je vais sûrement fail, mais j'y vais. C'est pas possible.
Putain, il rigole pas, là. Où est-ce qu'elle se cache? Là, vous l'avez énervé. Ouais, parce que là les gars, je sais pas quoi faire. J'ai plus mes arcs et tout là, on a plus le choix quoi. Furtivité, furtivité. OK. J'ai compris le gros message. Équipe première, qu'est-ce que vous foutez encore à chercher la boîte? Il y a des ennemis dans votre coin. Docteur Dominguez, j'en ai rien à foutre du docteur Dominguez. Trouvez Lara Croft et tuez-la. C'est vrai que je peux me mettre aussi en mode... C'est pas mal ça. Comme folle qu'on trouve Croft. On est trop dispersés pour ça. On est venu là pour faire des recherches. On va se séparer et faire du mieux qu'on peut. Je vais couvrir cette zone. Toi, tu restes là. C'est fou comme les paramètres changent vite. Tu peux pas te tourner un peu, hein? Pas longtemps, hein? Voilà, juste un petit peu. Le temps que je te tue. Et maintenant, Rourke veut qu'on trouve Croft. À qui on est censé obéir? Ben, Rourke est un officier militaire. Les choix de Dominguez envoient les gens à l'abattoir. Alors à toi de voir lequel des deux tu préfères suivre. De ma gueule. C'est simple. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi. Le QG a perdu le contact avec l'équipe Ro. Ça serait bien que ça se reproduise pas. On la laissera pas passer. Bien reçu. On trouvera les responsables. Ça, c'est de la furtivité, les mecs. J'ai perdu ma boue parce que je suis allé dans l'eau, si j'ai bien compris. Ah ouais, je suis un peu dégoûté là. Décembre 1603. Lopez semblait perdu dans ses pensées depuis que nous avions quitté le Cénote. J'ai ouvert la marche, et lorsque je me suis tournée vers la ville, il s'est enfin exprimé pour nous demander de nous arrêter. Puis, après m'avoir fait jurer de garder le silence, il a partagé avec moi le secret qui le taraudait. Cette nuit, près du fleuve, j'ai parlé à l'empereur. Je lui ai confessé qui j'étais, qui nous étions, ainsi que le véritable objet de notre visite. Les dirigeants des Trinitaires ne méritent pas la boîte. Ils sont bien trop gras pour cela, trop occupés par la politique. Ok, moi j'ai lu, hein, donc vous lirez les gars. Très bien.
C'est bien ça. Un petit feu de camp, ça nous repose. Mais je ne sais même pas ce que je dois faire. Cette phase en mode pompe et up est vraiment très sympa. Est morte. Rourke lui a tiré dans le dos. C'est vrai que j'ai tiré pas dans la boîte et Jonah. Non. S'il lui arrive quoi que ce soit. Ah bah ça, c'est les risques du métier, d'accord. Et tu dis pas de gros mots, les enfants qui écoutent. D'accord. Peut-être prendre la chute du renard. Pilleur, on a pas mal de choses. Serre d'aigle, c'est pas Harry Potter ça? Alors, on va prendre ça. L2, R2 et R3, putain, compliqué. Hein. D'accord. Le problème c'est que ça on peut pas les voir en cours de... Vous voyez par exemple le truc là que j'ai débloqué sur... pour tuer les gars. C'était dans quoi? Voilà ça. Ouais, il faut que je rappuie sur triangle, ouais, c'était bien ça, mais bon. Ça a pas marché la fois où je l'ai faite, hein, donc ils sont gentils. J'ai plus d'armes. J'ai mes flèches, mais j'ai plus d'armes. Ok, d'accord, super. Bon, on va retrouver Jonah, il aura gardé toutes nos armes, lui. Un petit malinois. Qui me parle? Je te soupçonne de surveiller mes communications depuis le Mexique. Rourke. Commandant Rourke. T'as pris le temps de m'écouter. Maintenant, c'est moi qui t'écoute. Encore une secousse. Qu'est-ce que ça fait de savoir que t'es à l'origine de tous ces cataclysmes? De toute cette souffrance? Je sais ce que j'ai fait. La tête que t'as faite quand Dominguez t'a dit. Mais il a fallu que tu prennes l'attaque quand même. Pas vrai? Avant-poste. Lara Croft se dirige vers vous. Trouvez-la. Les gars sur la plage ont laissé filer Croft. Ça doit pas se reproduire. Ouais. On va pas aller à la zone. Oh putain. Il y avait des trucs intéressants dans la cargaison. Des lunettes thermiques, messieurs. Je passe devant. Petit bâtard, c'est toi que j'ai mis en premier. J'ai quelque chose. Où? Merde! Je me suis trompé, c'était une bête! Bon alors, ça vient, c'est venir ou pas? Je risque pas de les faire marcher si t'arrêtes pas de me déranger. Pourquoi c'est tellement pressé tout d'un coup? Rourke dit que Croft n'arrive pas ici. Oh putain. Ok, je me dépêche. Bon, j'ai bien fait de le tuer rapidement. Ils sont combien là? C'est parti. Cette fois, génial. Pourquoi il est en rouge? Personne ne le voit, lui. On va la trouver. Il y en a un planqué derrière ou quoi? Bah non. Ah si, si. Si je te trouve. Évidemment, il changerait pas nos ordres s'il était pas sûr qu'elle est ici. Ouais, c'est mieux d'être prudent. Elle a déjà tué beaucoup trop de nos gars. Mais pas cette fois. Pas mal cette petite truc en infiltration, j'aime beaucoup. Très sympa. Bonne idée du jeu.
Tout est plein. Je peux plus rien prendre. J'espère que quelqu'un verra quelque chose. Ils ont même pas entendu ça. Je crois que je vois quelque chose. Pas mal, pas mal. Putain, j'ai chaud. Ah oui, il y avait tout ça aussi. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. D'accord, ça faisait le tour jusque là. Ok, je voulais voir les mecs. Fait chier que j'ai plus de boue sur la gueule. Ah oui, c'est vrai que lui, je l'avais pas tué en mode discret. Non, 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 pas de lunettes. Bonsoir, Ralph. Bonsoir, Sam. Tu vois quelqu'un? Je pense bien que je serai en train de tirer. Bon, du coup, la boue, c'est vital, hein. Oh oui. J'ai pas assez de place pour ça. Et what? Comment il a pu me voir? Ça a marché. Je suis baisé. Aïe aïe aïe. Bon travail, bien joué. Bande d'enfoiros. Ah, j'ai pas bien joué, les mecs. Bonsoir, Ralph. Bonsoir, Sam. Tu vois quelqu'un? Je pense bien que je serai en train de. Encore des hommes en moi. Imagine, il se cache. Sauf si la fille a parfaitement camouflé sa chaleur corporelle, je la repérerai. Rourke veut du sang, je crois qu'il l'en veut. C'est angoissant de chercher un truc dans le noir dans ces ruines. J'allais souvent chasser avec mon père dans ce genre de conditions. À la place des ruines, c'était des arbres morts. Ok, t'as des conseils? La proie peut bien faire tout ce qu'elle veut pour se cacher.
Elle finira bien par faire une erreur. Une seule seconde d'inattention, et c'est fini. Ah, c'est pour la lumière. Oh, ça quand même attire un gars. T'as l'air tout seul. Encore des... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles dégâts près du fleuve. Je ne marcherai pas sur des renforts. Ras-le-bol. Arrêtez de tirer. Vous allez voir. On reste vigilant. Ok, je suis chaud. Attends, mais c'est tendu ce passage là, il est quelle heure? Il me reste plus beaucoup de temps en plus. Tu vois, finalement, je t'ai tué. Voilà, mets-toi avec ton copain. Deux gros enfoiros. J'ai pas assez de place pour ça. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Attends. On va déjà se mettre de la boue. Putain, je peux plus me remettre de la boue, fuck. Bah écoutez les gars, moi je vais continuer, on va s'arrêter là. D'accord. Sur cette super infiltration. Franchement, moi j'aime beaucoup ce système d'infiltration. Pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus dans le jeu. Donc voilà, bah écoutez, un épisode assez triste, je dois bien l'avouer. Je vais vous faire des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune vidéo. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Attendez, hop. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les mecs.